Le jubilé de platine de la reine Elisabeth II démarre le 2 juin 2022. Sotheby's, une maison de vente, expose une quarantaine de bijoux inestimables depuis le 28 mai. Le diadème que portait Lady Diana lors de son mariage fait partie de l'exposition. Ce diadème de Lady Diana d'une valeur inestimable refait surface pour le jubilé d'Elisabeth II. Au-delà de la fête nationale, le jubilé d'Elisabeth II est un vrai événement historique. Les festivités pour les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II d'Angleterre, 96 ans, débuteront le 2 juin 2022. Des millions de Britanniques marqueront le coup en organisant des fêtes de rue. La maison d'enchères Sotheby's en fait autant en exposant 40 diadèmes royaux et aristocratiques d'une valeur historique inestimable. Le diadème des Spencer s'avère être la pièce qui intéresse le plus les fans de la famille royale parmi tous ses joyaux, selon Histoire Royale. Rappelons que le diadème des Spencer est celui porté par la princesse de Galles, Lady Diana, lors de son mariage avec le prince Charles. Lady Diana Spencer, la maman des princes William et Harry, s'est mariée avec le prince de Galles l'été 1981. Le mariage extrêmement médiatisé de Lady Di et du prince Charles au cathédrale Saint-Paul de Londres a été suivi par des millions de téléspectateurs du monde entier. La belle-fille de la reine Elisabeth II s'était alors parée d'une majestueuse robe de mariée dont les fans royaux se souviennent encore. Mais par-dessus tout, nombreux sont ceux qui se souviennent du diadème qu'elle portait. Ce diadème appartient à la famille Spencer depuis des générations. Le diadème de mariage de la princesse Lady Diana est exposé chez Sotheby's. Lady Diana a porté le diadème hérité de sa famille à plusieurs reprises. Mais après son divorce avec le fils aîné de la reine Elisabeth II d'Angleterre, la princesse Lady Diana n'a plus eu l'occasion de le reporter. Appartenant actuellement aux frères de Lady Diana, le diadème n'a pas été exposé au public pendant plus de 20 ans depuis la mort de la princesse en 1997. Pour le jubilé de la reine Elisabeth II d'Angleterre, 96 ans, ce bijou d'une valeur inestimable est exposé chez Sotheby's. Notez que depuis le 28 mai 2022, l'exposition Power et Images, Royale et Aristocratique Tiara est ouverte au public. L'exposition a lieu dans les locaux de la maison de vente, sur New Bond Street, à Londres, précise Histoire Royale. Sur le même sujet 21 Elisabeth II gravure de mode, grande première à 95 ans, elle fait la une de Vogue. 21 Lady Diana, une photo inédite de la princesse dévoilée. 21 Elisabeth II, cet énorme pied de nez à Meghan et Harry que personne n'avait vu venir. 21 Elisabeth II met fin à un long suspense. Elle souhaite que Camilla soit reine consort. 21 J'y suis allée à reculons. Stéphane Bern donne son avis tranché sur la prestation de Kristen Stewart en Lady Di. 12 Agathe Le Caron choquée, elle apprend en direct qu'elle appartient à une famille prestigieuse. 8 Elisabeth II, santé, fortune, succession, famille, mariage, jubilé. Tout savoir. 21 Lady Di, comment l'affection dont souffre Kristen Stewart a gêné sa préparation pour son rôle dans Spencer. 21 Kate Middleton au top de l'élégance, ce look à la Jackie Kennedy pour sa dernière sortie. Réagissez. Inscription newsletter. Merci pour votre inscription. Pour en savoir plus ou exercer vos droits, cliquez ici. Fermez.